Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. J'ai fait quelques petits achats samedi. J'ai pas acheté grand-chose parce que je suis allée chez Noz, j'ai pas trouvé vraiment des tonnes de choses. J'étais surtout allée pour acheter des rubans que je n'ai pas trouvé. Chez Action, j'ai pas trouvé non plus. Il y avait un magasin de fêtes de mariage à côté, donc je suis allée, j'ai trouvé des rubans, mais alors pas du tout ce que je cherchais, je vais vous les montrer. Voilà, moi j'en voulais des larges parce que Béadi a fait comment ça s'appelle, un tuto pour réaliser des roses. Donc je voulais des rubans, j'en avais deux larges. Donc j'avais fait deux roses, mais j'en voulais d'autres. Donc je suis donc allée faire des achats. Donc en fait, j'ai bien trouvé des rubans dans ce fameux truc de mariage. Mais bon, voilà, ils ont 6 mm de large. Donc j'ai pris un bleu outre-mer, comme ça. Ça fait un peu bleu-vert. Et un violet. Voilà. J'ai pris ça chez eux. J'ai pris, comme j'ai une carte à faire sur le thème de la mer, j'ai trouvé des petites bouées comme ça aussi. Voilà, en plâtre. Voilà, sur le thème de la mer. Et j'ai trouvé, parce que bon, des petits tags comme ceci sur le thème de la mer. Donc c'est tout ce que j'ai acheté dans le truc mariage. Non, 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 je raconte des bêtises. J'ai acheté aussi des petites coquilles comme ça qui font un peu comme les coquilles Saint-Jacques, voilà, des petits coquillages. Voilà, tout ça, ça sera pour sur le thème de la mer. Alors, je pousse ça. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai acheté dans cette fameuse. Comment je sais pas comment ça s'appelait ce magasin. Enfin, ils font des déguisements, le mariage. Je sais pas celui où je vais d'habitude, parce que là, je suis allée plus près de chez moi. Il n'y a pas le magasin. Où je vais, où là il y a vraiment beaucoup de choix à Saint-Brieuc. Donc sinon j'ai acheté après chez Action des rubans comme ça, mais c'est toujours pareil, ils font pas deux, ils font que 2 cm de large. Donc j'ai testé, mais ça fait un peu léger, les fleurs elles sont beaucoup plus petites. On peut faire avec, hein, mais bon, il n'y avait pas les couleurs que je voulais de toute façon. Donc ça me servira plus pour l'emballage. Donc j'ai acheté celui-ci, donc il est couleur or avec des petits pois roses. J'ai acheté celui-ci, alors celui-ci je l'ai pris parce que je le trouve vraiment très très beau. Il est couleur or, mais c'est un envol d'oiseau, vous allez mal le voir là-dessus, avec des feuillages, enfin il est très très beau. Donc pour faire un joli paquet ou quoi, donc voilà. J'ai acheté ça chez Action. Qu'est-ce que j'ai acheté chez Action? Pas grand chose, non. J'ai racheté, ben non, c'est pas grand chose que j'ai acheté. Hein. J'ai pas trouvé d'autre chose. J'ai pris ça, puis j'ai pris un bloc de papier, mais bon, tout le monde l'a vu, alors voilà. Mais j'ai pris des stylos comme ceci au rayon enfant. Voilà, des stylos glitter glue là. En même temps, ça colle. Donc, je vais essayer de l'utiliser. Ils disent que la pointe est fine et qu'on peut écrire avec. Donc, on verra. Bon, c'est lavable à l'eau, il n'y a pas de solvant. Donc, je vais les tester. Je vous dirai si c'est bien. Ensuite, je suis allée chez Noz. Alors là, pareil, j'ai pas trouvé grand-chose. Alors j'ai acheté un petit bloc comme ça, voilà, un petit bloc comme ceci, tout mignon, voilà, aimanté. Bon, donc moi comme j'ai toujours besoin de prendre des notes, donc j'ai pris ça. J'ai trouvé cette fameuse bande autocollante, j'en avais acheté une verte, là je l'ai pris en parme, là, à 75 centimes. J'ai trouvé ce que je n'avais pas eu jusqu'à présent. Voilà. Ceci, je l'avais vu dans un haul qu'avait fait Christelle de la chaîne Eternity.
Mais bon, il n'y avait que celui-ci, hein. J'avais pas le choix. C'était le seul. J'ai trouvé les petits boutons. La dernière fois, il n'y en avait pas. Là, je les ai trouvés. Les petits boutons avec du crochet dessus. Donc, je vais les utiliser pour faire des cœurs voilà, de fleurs. J'ai trouvé des tampons, comme ça, hein, sur le thème de la couture. Donc, j'ai trouvé pas mal. Voilà, il y a le mannequin comme ça, en osier. Ici, c'est une paire de souliers avec une carte. Voilà, ça fait un peu de reflet. Hein. Je sais pas si je les enlève, si vous verrez mieux. Voilà. Est-ce qu'on va mieux voir comme ça? Oui, on voit mieux. Voilà. Donc là, ce sont les petites chaussures. Comme ça, à talons avec une petite LED, des petites roses. Et là, c'est une petite cage à oiseaux. Voilà. Mais j'ai pris surtout pour ça. Donc voilà. J'ai trouvé ça. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ben, je vous dis, pas grand-chose d'autre. Hein. Donc c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc vous voyez, si j'avais bien autre chose à vous montrer, mais je ne sais plus où c'est. Si j'ai trouvé des petites pinces comme ça, voilà, pour mettre dans les envois. Voilà, 1,20 € les 6. Donc ensuite, n'ayant pas trouvé de ruban, de dentelle, tout ce qu'on veut, il y avait un marchand de tissu. À côté de chez Noz, c'est Sissi de la chaîne Sissi Créa qui m'avait conseillé en réponse à une question dans une vidéo, elle m'avait conseillé d'aller là. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient un peu pauvres en dentelle. Alors en ruban, ils avaient bien les couleurs, mais pas la dentelle. Donc j'ai acheté du ruban. Voilà, comme ceci. Donc rouge, j'en ai trouvé. J'ai pris du parme, alors donc je les ai déjà bien entamés. J'ai pris du vert, voilà, donc des rubans de satin. J'ai pris du rose. Et j'ai pris du blanc. Voilà, donc la dentelle, j'ai pris, voilà, une dentelle comme ceci, noire. Voilà, j'ai trouvé un petit morceau. Ben voilà, le couvercle se casse la figure. Un petit morceau de dentelle noire. Donc, il y avait vraiment, mais vraiment pas le choix. Hein. Une petite dentelle blanche comme ceci. Et une autre blanche comme cela. Voilà. Sinon, voilà. Donc, j'ai pas trouvé de choses extraordinaires. Donc, voilà. C'était pour faire les fleurs de Béadi. Donc, je vais vous montrer les fleurs que j'ai réalisées à l'aide de ces rubans quand même que j'ai trouvé. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc voilà la première. Donc ça c'est les roses plates, comme elle nous a expliqué. Hein. Donc j'ai fait la rouge, j'ai pas encore mis les cœurs. J'en ai fait une en rose. Donc voilà. J'en ai fait une blanche. Donc là, j'ai ajouté un petit cœur, une perle au milieu. J'en ai fait une, mais elle est sur un album que je vous présenterai plus tard. Voilà, une parme. Voilà. Ensuite, j'ai eu l'idée, parce que j'avais un ruban plus large que les 2,5 cm, il était 4 cm de large. Donc, j'avais pas envie de faire cette rose plate. J'ai pris un bouchon que j'avais et j'ai fait une grosse rose comme ça. Donc, il me manque le cœur. J'ai pas encore mis le cœur. Voilà, couleur or. Une grosse rose sur un bouchon de liège. Donc, j'ai mis un peu de dentelle. Donc, je vous montrerai la suite quand j'aurai terminé. Toutes les roses, mais elle m'a donné vraiment envie de faire ça. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était
une bonne idée de fabriquer nous-mêmes nos fleurs. Voilà. Donc j'en ai d'autres que je suis en train de réaliser en crochet. Ah si, j'ai trouvé, voilà, je mens. Chez, comment ça s'appelle? Chez Noz, j'ai trouvé aussi des bobines, voilà, avec un fil très très fin pour faire des petits napperons en crochet. Donc là, ça se tricote avec, ça se crochette avec du 1, c'est vraiment minuscule. Voilà, donc je vous montrerai ça. J'ai pris une bleue lavande et puis ça, un blanc crème parce qu'il n'y avait pas de blanc non plus. Et même chez le marchand de tissu, elle n'avait rien. Il n'y avait pas de, il n'y a plus de marchand de laine, vous ne trouvez plus rien maintenant. Voilà. Donc dans mon petit village, on est un peu pauvre au niveau du matériel pour faire des travaux manuels. Il faut aller dans les grandes villes. Et encore, dans les grandes villes, on ne trouve pas tout ce qu'on veut. Heureusement, j'ai trouvé un peu de ruban. Donc voilà, ce sont tous mes petits achats. Mais je suis surtout contente, voilà, Béa, d'avoir réussi les roses. Et bon, voilà, celle-ci, je voudrais faire un tuto sur la... Enfin, je vais vous faire une vidéo sur l'album que j'ai réalisé. Il me reste juste un ou deux, une ou deux petites choses à terminer et je vous montre ça. Voilà, bon bah c'était tout, hein. C'était un petit haul ultra rapide parce que je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Voilà, bah, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de journée si de soirée. Tout dépendra à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse bien bien fort. Et merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent, enfin toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà, ça fait des copines YouTube en plus. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse toutes et tous. Bisous!